On est reparti pour votre plus grand plaisir sur ce magnifique jeu qui est Temtem. Tac et tac. Ah, c'est le clavier anglais. Hop là. Ok. J'enlève la petite musique pour qu'on ait la musique de Temtem. Et on est parti. Alors, je voulais explorer par où? Parce que du coup, j'explore un peu partout. Mais ah, d'accord. Oh, des petites chutes. Trop bien avec les petits Temtem là qui surveillent. On va regarder s'il y a des Temtem intéressants par là. Oh, faut peut-être que j'aille faire soigner mon équipe, non? Ah, on va utiliser notre thème essence, on est pas loin de la ville de toute façon, donc on va pouvoir les soigner rapidement au pire après. C'est pas ça que je voulais, c'était ça. Oui. Tada. C'est vachement pratique ça par contre. Hein. C'est très très pratique. On kiffe, on kiffe. Oh non, j'en ai déjà le cacou. Aïe, shit! Merci beaucoup, Chaos, pour plein de sacs de la part de mamie. Merci beaucoup, Chaos, pour les 1000 bits. Mais c'était pas une raison pour envoyer des bits. C'est moi qui envoie de l'amour, c'est pas toi qui envoie de l'amour. Espèce de piqueur d'envoyeur d'amour. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Bienvenue à toutes les petites frimeuses qui débarquent sur le live. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, tout ça. Et merci beaucoup, Chaos. T'es un amour. T'es vraiment, vraiment un amour. Mais on a dit stop! Je suis désolée pour vos oreilles. Tu arrêtes d'envoyer des bits. Ce gros nounou. Je vais me battre avec lui. On va se battre. Comme ça, là. Et on va faire ça. Coup de poing. Droite. Coup de poing. Tac. Je suis pas très crédible. On va s'arrêter là parce que ça devient un peu ridicule. Très légèrement, n'est-ce pas? On fait genre, je suis stylée quand j'envoie des droites, n'est-ce pas? Désolée, j'ai crié Kiki Show. I'm so sorry. J'ai eu une bonne idée de venir sur le live. Ensuite, je m'endors pas. Bah, super. Ça dépend parce que normalement, c'est un live qui est chill. Mais là, on a changé de registre en 5 minutes. Ça fait presque 3 heures que c'est chill. Là, d'un coup, Chaos, il fait des bêtises, forcément, en criant. Et re-once. Ta-da-ta-da. Bah, y a pas l'air d'avoir de nouveaux Temtem ici, alors. On va changer tranquillement. De zone. Tranquillement, mais sûrement. Alors... pas très efficace ça. Et t'es revenu de vacances. C'est ça, mon beau, c'est ça. Attendez, j'ai cassé mon chat. Attendez, je le redémarre. J'ai tout cassé. Super. Toujours à tout casser là. J'ai une nouvelle attaque avec le petit loulou. Attendez, 40 damage, 100. Ah, ça reste celle la meilleure. Hein. Par contre, elle prend beaucoup, beaucoup d'énergie. On va faire une petite bourrasque. Évitez le langage de ces messes, ouais, s'il vous plaît. Évitez. Alors, merci pour le follow. Zenge, Maïs. Bienvenue à toi, n'hésite pas à te présenter, nous dire ce que tu fais dans la ville, la couleur de ton canapé, tout ça, tout ça. Mais de nouveau, sans langage SMS, s'il te plaît. Et coucou Shadow, comment tu vas? Oh, bah on peut y aller plus doucement. Hein. Petit coup de pied. C'est ça qui lui enlèverait le moins de vie. De toute façon, on va retourner à la ville, on va se soigner et on va passer sur une autre map. Non, pas encore Kiki Show. Pour le moment, j'ai pas rencontré énormément de Temtem différents. Merci beaucoup pour le follow Shadow. Bienvenue. Tac, on va aller les soigner, les petits loustics. J'en ai trouvé un qui ressemblait à un renard, ouais, mais je le trouve pas exceptionnellement chouette. Je t'avoue, mon beau. Je t'avoue. Oh, il est là! C'est peut-être pas le même, mais il est trop beau. Un super thème. Il est trop trop beau. Ta-da-ta-ta-ta-tum.
J'ai rien dit. Je vous réserve des tam-tam mignons, vous en faites pas. Tadam, tadam. Alors, par où qu'on va? Ah, queue de sac. Super. On a pas mal de choses à faire sur le chemin. Oh, qu'il est beau. C'est beau. On a pas mal de choses à faire sur le chemin parce que du coup, j'ai pas fouillé du tout les mauvaises herbes tout à l'heure. Je faisais vraiment les dresseurs pour monter à la ville et puis là maintenant, je pourrais le faire. C'est lui que j'ai trouvé. Il fait type renard, mais je t'avoue qu'il est pas très très mignon. C'est pas trop mon petit kiff, j'avoue. Ah, j'ai oublié de me remettre en temtem. Bah si, pourtant je suis en temtem. Si, j'ai bien remis temtem. Faut juste actualiser la page Cara. Alors, oui, on est sur temtem du coup. On fait des bêtises. On se balade, comme vous pouvez le constater. Ok. Hop. Bah t'inquiète, Miss, aucun problème. C'est gentil de le faire remarquer si jamais j'ai oublié de le remettre. C'est cutie. Bah tiens, on va l'attraper. Ah non, il s'est mis KO tout seul, bah super. J'allais dire, tiens, comme il lui reste pas beaucoup de vie, on va l'attraper pour voir s'il a de bonnes stats. Il s'est mis KO tout seul, tant pis. Bah, je crois avoir fait le tour des temtem qu'il y a dans cette zone, non? Si Ange veut affirmer ou contester. Tadatam! Est-ce que je cherche de nouveaux temtem là? Ça vaut pas le coup pour moi d'en rattraper d'autres que j'ai déjà. Tadam! Bah, pas de soucis, Ange, aucun problème. Et Relieco! Ok, bah je crois pas qu'il y ait beaucoup de nouveaux temtem. Hein. Ah, c'est un endroit où tu peux voler. Soit l'élastique interdit. Je pense que tu peux partir en vol d'ici du coup. Tadam. Tadam. Mamie veut se battre avec moi. Je vois pas de quoi tu veux parler, voyons. Non, bah pas de nouveaux temtem. On va faire demi-tour, on va continuer notre route alors. À la recherche de nouveaux temtem. Tu peux avancer, Q. Ah, très bien. Super. Bon, on va foncer alors. Ok, nickel. Gambatté, merci beaucoup. Allez, hop, on remonte. Tac et tac. Oh, il avait plein de gros poissons derrière lui. Des gros temtem. Aussi gros que ma vie. Pardon. Mes excuses. Allez, on enchaîne. On a pas mal de quêtes en plus à faire. On enchaîne. Ok. Non, je voulais pas changer d'équipe, je voulais juste la soigner. Hop là. Ok, parfait. Merci beaucoup Chaos Adore, cette alerte est géniale. Attaque de poisson magique baveux. Pour le plaisir, je la remets parce qu'elle est trop cute. Il devait être très très impressionnant alors cet temtem. Bon, ça va. Tu m'as cherché, tu as perdu. Non, j'ai gagné. Coucou Sandwich, comment tu vas? Par où du coup t'es passé tout à l'heure? D'amitié vers les peuples libres de Denise et la part des peuples libres de Mary. Ces fameuses histoires qu'il nous avait racontées du coup le pêcheur. Je ne sais plus. Vas-y, défie-nous. Enfin, défiez-moi, pardon. Oui, nous sommes deux dans ma tête du coup. Je veux le nuage fluffy mignon. Licorne. C'est un nuage licorne.
C'est mignon, je le veux. Une licorne nuage. C'est cute, il me la faut. On a connu plus cute, mais elle est plutôt mignonne, je la veux. Elle fait un petit bruit mignon en plus, on l'a vu dans une maison l'autre jour. Elle est cute. Si moi je l'ai fait, j'aimerais éviter de me faire trucider, je l'ai fait. J'ai fait un screen. Je comptais lui envoyer après le live. Bah écoute, je te laisse lui envoyer Alico. Son évolution est dégueu mais très forte. Ah, je note. Il utilise la technique secrète de Kyolong et lance des millions sauvages partout dans la tête de Mamie dans le chat pour qu'elle soit perturbée. Mais toujours plus, t'as raison que... Vous êtes les pires. Tout de suite, elle m'attaque à coup de mignon. Vous savez que ça marche bien sur moi, les attaques de mignon. Hop là. J'essayais de faire l'attaque qui lui faisait le moins de dégâts du coup. Exactement, c'est un jeu du même style que Pokémon. C'est l'idée. L'idée c'est qu'il est en multi et puis surtout il est sur PC. T'as un mode multi que j'ai pas encore testé dans ce jeu. On y viendra. Oh non, ça m'intéresse pas beaucoup. Ah si, j'ai dit qu'il fallait que j'en attrape un nouveau. Allez. À la recherche d'un petit loulou intéressant. Ouais, t'as raison. Arrête de procrastiner là, son outil. Termine son œuvre d'art pour la vendre à des milliers d'euros. Toudoum. Ouais, pas terrible, team. Je mets quand même dans le thème deck au cas où. Pour le moment, on a de la place. On laissera plus tard. Bah, comme tu sens, Carotte, c'est à toi de choisir si t'as envie de rouvrir des boosters ou pas. Ouais, bof aussi, hein. Bof, tout ça. On fera une sélection. Non, c'est à toi de voir, Carotte. C'est à toi de voir. Sinon, t'as eu des bonnes cartes ou pas dans les 5 que t'as ouvert tout à l'heure? Dis-nous. Nanana. Ouais, c'est clair. Elle demande de se faire kidnapper. Ta-da-da-da. Je suis en train d'utiliser toutes mes cartes sur des paros. Super! Mais j'aimerais bien d'avoir un plutôt bon. J'aimerais bien, mais j'ai plus beaucoup de thème cartes. Donc bon. Allez. C'est mes petits derniers. Après, on s'arrête. On s'arrête d'attraper des Pokémon, mais on continue le live, rassurez-vous. Encore une petite heure. Enfin ça dépend, quand ma mère va revenir de l'hôpital, je ferai une pause Je ferai une pause pour faire la rencontre entre Mio et Ricky. Non, c'est pas des Pokémon, c'est des Temtem. Allez, on relâche. Ok. Alors... Vas-y, affronte-moi.
à l'évolution de Yancho. Des attaques câlins. T'étais pas obligé de défoncer la porte, hein. Vraiment, t'aurais pu t'en passer. Chaos. Ah oui, c'est lui qu'il faut qu'on vise surtout parce qu'il est vachement chiant. Il est super beau. Je les veux trop, ils sont trop mignons. Regardez-les là avec leur mignonitude. Ah, il va peut-être faire du dégât par contre. En plus du poison qu'il a, nickel. Ça m'arrange. On fera demi-tour après, on ira soigner la petite team. Sauf s'il me reste de la témescence, je sais pas s'il me reste de l'énergie dans ma fiole de témescence. Enfin, de la témescence, du coup. Je sais pas trop. Naya! De toute façon, il faut que j'expé ma Naya. Hein. Il faut que je l'expé. Je sais pas du tout quand est-ce que t'évolues, Chaos. I don't know. Ta-da-da. Oh, il lui reste un PV. Cette vaste blague honnête. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Bon, c'est cool, Naya a gagné plein de niveaux par contre. Alors... Ouais, je pense qu'il me reste encore dans ma fiole, mais bon, c'est pas grave. On est vraiment à côté, donc ça passe. C'est pas ici. Bah, c'est où? Je croyais que c'était ici, moi. Il est où le... Ah, il est là. Bah non, même pas. C'est où? C'est à gauche? Non, l'hôtel. C'est moi ou le bâtiment pour soigner cet MTM, il l'a déménagé. Pourquoi je le trouve pas? Cette vaste blagounette. Bah merde. Il est là, ça y est, ok, bien à droite. Autant pour moi. Câlin général. Vers la fin de l'île. Il va me falloir supporter toute la journée, Yann et Chaos. Bonne chance! Mais t'inquiète, ça va le faire, mon boss, ça va le faire. Tadadam! On prend la fuite ou on se fait un peu d'XP? Allez, un peu d'XP. Doudou! T'as adopté Chaos aussi, maman? Bah, t'es pas rendu au bout de tes peines avec ces deux sales gosses là. Allez, on enchaîne. J'ai envie de découvrir d'autres trucs. Et surtout de nouveaux temtem. Ta 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 ta. Merci pour le follow de l'acte et bienvenue à tous ceux qui débarquent sur le live. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, tout ça. Dites-moi tout. Oh, trop bien. Tu dois aller à une vitesse quand t'as un Pokémon haut du coup dans ce petit ruisseau. Ça te fera gagner pas mal de temps ça. Ou une planche, au choix. On fuit. J'en mets des petits nouveaux, hein. C'est pas des petits nouveaux ça. Donc fuis.
je prends la fuite. Allez, je vais arrêter de fouiller les mauvaises herbes. J'ai l'impression que. Enfin, les herbes. J'ai l'impression qu'il n'y a que des temtems qu'on a déjà ici. On va continuer, peut-être au pif, on tombera sur un temtem qu'on n'a pas. Oh, qu'il est beau! C'est l'évolution du nuage? Ça a l'air d'être l'évolution du nuage, hein. Il est trop mignon, j'adore. J'adore. Est-ce que vous êtes toujours là pour me confirmer? Ou est-ce que quelqu'un sait et peut me confirmer? Oh là là, il est trop mignon, j'adore. Enfin, il est trop mignon, non, il n'y a plus mignon que lui, mais il est cute, j'aime bien. Comment tu vas, Alex? Dis-nous tout. Comment s'est passée ta petite matinée, dis-nous. Ah, j'aime bien, il est cute. Tu me disais pas qu'il était pas chouette tout à l'heure. Tu me disais qu'il était moche, non? Je le trouve mignon. Au vent, ok. C'était ta troisième évolution. Je le trouve cutinet. Cutinet, cutinet. Ta la 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 ta 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 la ta ta. C'est drôle ça, on tombe sur des ennemis qui ont des niveaux 15 et en fait quand on se balade dans les mauvaises herbes on a des niveaux 7-8. C'est pas très équilibré tout ça, si? Bah c'est vrai que dans Pokémon c'est pareil aussi. Il a que 2 sets d'évolution. Sur le maillet rose je le trouve infâme perso. Ah! Tu le trouves pas beau en Luma? Ou tu le trouves pas beau comme ça? Moi je le trouve super mignon. Je le trouve cutie. J'avoue, il est cute. Hop là! Bah go, hein, c'est parti. Hein. Zébordi pour notre plus grand plaisir. Bon, Kassou il a pris cher, on va devoir le soigner après le combat. L'idée c'est qu'il faut qu'on termine le combat. Ah, 2 niveaux 8, ça passe. Moi je l'aime bien comme ça, je le trouve mignon. Oh trop bien Kaos, bah j'y suis pour rien hein. J'y suis pour rien. Ta la 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 ta 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 la ta. Chevalier Chaos arrive sur son train mais fait de diamants roses, suivi de près par Chevalier Yann avec son armure de samouraï en été verte. Plus tard, tu pourras trouver des OCRA qui sont grave stylés. Bah, y a plein de temtems qui sont stylés. Hein. Déjà, on n'en a pas vu beaucoup, mais du peu qu'on a vu, il y en a plein qui sont super mignons et j'ai très envie de découvrir tout ça. Ta-ta-da-da-da. Pas les longs avec ça. Hein. Ah, il va mourir du coup. Le petit truc. Hein. De toute façon, on va le soigner à la fin de la partie. On va soigner toute la petite team. Ça lui fera pas de mal. T'as de temps? Il est furtif! Mais on l'a eu! Ouais, je sais. Je t'ai vendu du rêve. Alors, tu te fiales de tes messences. Hop là! On en profite. Alors, moi aussi j'ai mal au cul. Il ressemble vraiment à un canard si chaud celui-ci. Ta-da!
Manipulation d'énergie. Tac. Et rafale de plume. Ah, j'aurais dû faire le contraire. Parce que rafale de plume, il lui fait vraiment rien au parc. Ils auraient pu faire un effort par contre sur les bruitages du truc qui ressemble à canard artichaut parce qu'ils lui ont mis des bruitages de canard. Ils auraient pu faire un effort. Hein. Oh, il passe niveau 17, c'est trop bien. Ah, j'aurais dû mettre Naya. Je veux vraiment la up, elle est trop cute. Non, vraiment, ça ira, Chaos, je t'assure. Ah, j'ai fait les copains, faudrait que je le teste, tiens, d'ailleurs. Ah non, mais c'est toujours Raphaël le plume qui est plus intéressant, après, c'est pas non plus le même degré. Vous appelez Oa alors? Non, vraiment. Bon, si c'est Oa. Alors, non, toujours pas de petit nouveau, c'est un petit atterro, on va continuer le chemin. Hein. On va continuer. On veut des petits nouveaux. Je suis un peu embêtée, j'avoue. Super. Alors, rafale de plume sur lui. Ah bah c'est les deux mêmes. Bah il est très long à triple là. Par contre le petit électrique là sur les types vents, c'est à mon avis ça fera pas mal de dégâts. Si vous voulez mon avis, ouais c'est pas mal parce qu'il est que niveau 8. Ah bah eux aussi. Bon c'est pas ouf finalement. Finalement. Il faudrait qu'on le up un peu. Je suis déçue. On va focus. Mais non, lui aussi, j'aimerais bien le voir. J'avoue. Que va me répondre à telle est la question. Tadam. Lui aussi il est un touraille. Non, électrique ça aurait été mieux. Ah, pas mal. Par contre, il s'est fait mal. Parce qu'il avait plus d'énergie. Hilde ? Ok. Si tu évolues l'espèce de larve entourée avec une feuille marron. Ah, c'est son évolution ? Ah, intéressant. Ok. Ouais, après, ils repartent. Tout à fait. Mais avant qu'ils repartent, je veux faire rencontrer Ricky et Mio. Tiens-moi au courant, on veut tout savoir. Vous êtes les pires. Non, il faut pas tuer Yamcha. Voyons. Ta-da-da-da-da.
Coucou Benjamin, comment tu vas? Comment tu vas, grosse patate? Ta-ta-ta. Ah, il s'est auto-blessé. Super. De toute façon, on le finit. Ils ont deux survives, tiens. Ils en ont deux. Ta-da-da-da-ta. Merci beaucoup pour les follow, Kadika. Bienvenue à toi et bienvenue à tous ceux qui débarquent sur le live. Il lui reste 5 HP! Oui, Justin. N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, tout ça. Ouais, enfin, remarque, il s'est blessé tout seul, il s'est tué tout seul. It's ok, it's ok. On en profite. Ah, une petite bobette. J'ai loupé des bobettes tout à l'heure sur le chemin, je crois. Je crois. Ça sent la ville ici, non? Oh, j'ai cru. Oh, c'est mignon ça. C'est cutie. Non, bah non, ça sent pas la ville du tout. Ça sent beaucoup, beaucoup d'herbe ça. Une étendue d'herbe. Ah, j'aurais dû monter en haut. Ça se... Enfin, monter plus haut là où on était tout à l'heure. J'aurais pu trouver des trucs sympas. Un mystère sauvage apparaît. Un canard t'es chaud. Ta-da-da-da-da. Je regarde, je crois qu'il y a ma maman qui est rentrée. On va faire la rencontre avec Ricky bientôt. Non, 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 non. Grosse patate. Niveau 16, ah oui, quand même. Quand même. Non, non. En train de marcher, comment ça? Pour que Mignon lui cède dessus, c'est pas très gentil, gars. Mais ça marche pas beaucoup parce que je lui ferai plein de câlins en Mignon. Coucou sur Esplif, comment tu vas? Oh, il évolue! C'est ma première évolution! Oh, il est stylé en vrai! Il est stylé! Trop bien! Il a gagné des petites compétences et tout, trop cool! Trop cool! Bourrasque! Ouais! Ta-da-da-da! Bah ça va super, merci. C'est un recoup parce que ouais, c'est le même genre. Oups. Super. J'ai plus de témescence. Ça va être un peu compliqué là s'il y a encore pas mal de dresseurs. Oh, ils sont trop beaux. Ces petits temtem. Ils sont trop stylés. Il me reste que lui. C'est mort. C'est mort, j'ai perdu. Je peux lui restaurer des bébés, mais lui tout seul, il va pas y arriver. On va faire du mieux qu'on peut. C'est mort. C'est mouru. Ok. Tac, tac, ok. Priorité sur lui, c'est lui qui me fait le plus de dégâts. La troisième évolution est spéciale. Ok, ça marche. Bah, on est. Ça, c'est fait. Oh. On a pas mal de chemin à faire là. Pour y retourner. La dresseuse en carton qui prend pas soin de ses petits temtem, t'as vu? Mais j'avais même pas vu, je les avais tous mis KO. J'avais pas vu. Oh, il est trop mignon lui. Je veux. C'est une petite carte avec une flamme sur la tête. Oui, je suis chaos, comme le chaos. Bon, bah, on n'a plus qu'à y retourner. Hein. Oh là là.
Et ça s'en va et ça revient. Oui, c'est fait de tout petit rien. Et non, 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 ça m'a pris du temps parce qu'il y avait pas mal de dressage entre les deux, mais en vrai, je suis pas si loin que ça. It's okay, it's okay. On va assez vite avec ce perso, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Hop là, c'était par là. Merci pour le follow. Bienvenue à toi, Maëvan. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à te présenter. Nous dire ce que tu fais dans la vie, la couleur de ton canapé. Je voulais aller voir par là. Ah, y'a rien, ok. Ton petit prénom, si tu as des animaux, tout ça, tout ça. Dis-le tout. C'était lui. Coucou toi, je suis de retour pour te jouer un mauvais tour. Les meufs, faites vos travail et Chaos, tu arrêtes d'envoyer des bits. Non mais ou pas de langage de SMS s'il vous plaît. Ah, ça lui a fait beaucoup de dégâts. Il n'a pas trop aimé. Je connais pas encore trop les types et tout. Hein. J'ai un peu de mal. Hein. Ça viendra peut-être au fur et à mesure. Faudra que je fasse des teamfights avec Ange pour les apprendre petit à petit, les petits types et tout. Hop là. Oh non, il s'est fait mal, beuh. C'est Nada qui fait pas mal de dégâts, mais qui est quand même vachement, vachement, vachement énergivore. T'es une femme? Non, je suis un homme. Toujours plus. Tu m'as appelé, Kyo. Je disais, faudrait qu'on fasse des teamfights tous les deux pour que j'apprenne un peu les types et tout. Pour que j'apprenne un peu les types et tout, je te demanderai des petits conseils, tout ça. Si ça te dérange pas. Il y a des petits coffres. Ah, je me suis bloquée. Dans le décor. Des petits coffres, des petits coffres. Trop bien, des petits bombes. Des petits bombes. Oh, des toniques. C'est pas moi. Je suis pas là. C'est ma soeur. Qui a cassé la machine à vapeur. Quand tu me disais, Stéphane, que tu rêvais, Stéphane, moi j'y croyais. Bah oui, c'est un homme qui hein, ça se voit quand même, faites un effort. Hein. Toujours plus. Bah ouais, bon, franchement. On ne voit que ça sur ma face. On l'entend bien au doux son de ma voix, n'est-ce pas? Une voix bien rauque, une voix grave. Celle d'un homme, n'est-ce pas? C'est bien réussi, Dieu. Ah là là. On l'a mangé le piranien. Piranien ou piraniante? C'est plus, j'ai même plus besoin de parler. Je vais mettre 10 heures de bah ouais, au total. C'est parti, c'est parti. Non, il est pas mort, je pensais qu'il serait mort. Oui. Ah, en plus, je fais pas gaffe depuis tout à l'heure, mais ils sont en train de se faire des dégâts tout seul, mes lolos. Mais le stékouné, il faut que je fasse attention à mon énergie. Tout ça parce que j'ai lu le chat et du coup, j'attaque sans faire attention.
Bah ça, ça passe, on va mettre ça là. Et du coup, il est éreinté. Bah oui, bien sûr, ok. Vous êtes les pires. Ta da 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 ta 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 da ta ta. J'ai fait de mon mieux pour pas le mettre KO. Pareil, Lolo, j'ai pris une attaque qui ne faisait pas trop trop de dégâts, mais bon, vu le peu de PV qui lui reste. Ah non, c'est le poison qui lui a fait ça. Alors, bec et bras, c'est intéressant. 26. Ah, ça fait mal au cul par contre. Rappel de bec en furie. Ok. Bah, et voilà, on peut enlever. Ah ouais, on peut attaquer ses propres temtem avec certaines capacités. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Quel est-ce ? Un fouet tentacule. Ça remonte tout ça. Ça remonte, ça remonte. Ah mais pourquoi c'est lui qui attaque en priorité? Je voulais pas, il va se prendre masse de dégâts. Qu'est-ce que j'avais dit? Je pensais que c'était lui qui allait attaquer au début puisque c'est lui que j'ai lancé en premier. Il doit avoir plus de vitesse du coup. Zut. Ah oui, Q, le tout quand même, pas d'évolution normale. Un peu à l'image d'Evoli dans Pokémon. Ok, je note. Bah, il me plaît bien comme ça, donc j'avoue que ça me dérange pas. Vous êtes pas obligé de me prendre en 108, tiens, je vous vois. Il me reste la fiole de témescence? Je crois qu'il me reste. Je l'utiliserai tout à l'heure. Comment on évite les buissons? En même temps, je suis déçue des buissons. J'aurais dû utiliser ma fiole de témescence, par contre. Par contre. Alors. C'est douloureux. Bon, il en a qu'un de toute façon pour aller soigner après. Une ville parce qu'il y a un petit point stop là, ça veut dire on n'est pas encore à la ville, mais on a changé de map, il y a moyen qu'on croise de nouveaux temtem et ça me fait plaisir. Bah si je passe, il a dit vous ne passerez pas et j'ai dit je passe. On sait pourquoi hein, il est admiratif de Gandalf hein. Alors la vitesse mais aussi la priorité des attaques. Ni dans la description des attaques. Les espèces de flèches seront horizontaux plus tu en as, plus l'attaque sera prioritaire. La vitesse va intervenir. Dans le cas où les attaques lancées ont le même degré de priorité. Ok, je vois. Ok. T'es con Mambo. T'abuses. Nanana. Tu vas arriver à une des premières zones clés de Temtem, 50% de la première île, je dirais après ça. Ok, je note.
J'étais au téléphone avec une vieille amie. Ok, l'argument, va trop cool. Ta-da-da. On est en piteux état, on n'est pas loin du truc, on peut utiliser la fiole, on fera demi-tour juste après. On n'est pas si loin. Ta-da-da-da. Ta-da-da. Elle est jolie cette zone en vrai. Elle est stylée, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors. Incendie du queue, c'est pas digeste. Ta-da. Allez, on focus. Ah, c'est pas beaucoup de dégâts ça. Je pense qu'il faudrait que je up vraiment mon électrique. Hein. Je pense qu'il ferait pas mal de dégâts hein, dans cette zone là. Ouais, j'aime beaucoup Temtem pour le moment, Katika. Et aucun problème pour ta côte en fait. T'en fais pas. Pas de soucis. Il lui reste 5 HP. Bon, moi j'aime beaucoup, ouais. J'aime bien. Après, je commence tout juste, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu. J'ai dit, il faut qu'on up Naya. Tata, il est trop chaud. Tata, un whip-lop. Oh, c'est la licorne. La licorne mignonne. Il va perdre de la vie, ouais, du coup, tout le temps. Quand il va attaquer. Oh non! Je pensais pas qu'on lui ferait autant de dégâts avec une petite électrique. Il a pris cher. Non, il s'est fait mal. On a été vraiment mal, Naya. On va la mettre dans mes petits prios dans ma main. Parce qu'elle fait vraiment, vraiment mal. J'ai vu le fils de mon ami en photo pour la première fois. Il ressemble à sa mère. Il veut faire des ravages dans les cœurs des filles. Un concentré de beauté et de cutitude dans un bout de chaud de 2 ans. Je vois. Après, ça change aussi. Tifo en grandissant, il sera moins mignon. Qui sait. Ok. Tac. Et on va changer du coup mon équipe. On va mettre la petite Naya tout devant. Allez. Comment je fais pour échanger? Ah, faut que j'aille dedans? Sinon, je peux pas échanger? Si, il y a peut-être un moyen que j'ai pas vu. Déplacer. Tac. Ok. Ah oui, moi aussi, j'ai plein de cartons. Bah, du coup, je les ai posés dans mon île. Tu les as récupérés l'autre jour, Nanès, les cartons? Dis-moi. Oh, une grotte! Trop bien, fort sous le vent. Les ruines d'une ancienne grandeur. J'ai pas eu le temps de lire. Ok. Coucou toi! Alors, s'il ressemble à sa mère en grandissant, c'est un futur bourreau de cœur. Sa mère est d'une beauté faite. Elle brille, elle est libre, elle est belle. C'est une étoile. Je vois. Ouf, pas beaucoup de dégâts. C'est pas terrible ça. Ah oui, on est dans la grotte donc beaucoup de cristaux. J'ai mis Naya trop tard. Il faudrait mon mental là.
c'est femelle. Bon, ça va, c'est pas trop trop femelle. Genre, il lui reste 5 HP. Oh, la vaste blagonette. Oh, en plus, il lui a fait trop mal. Il s'est blessé tout seul. Oh, la vaste blagonette. Ok, j'ai une athlète mentale et faible au cristal. Autant pour moi. Ok. Soyez très prudente. Ah, c'est un peu la Team Rocket, quoi. Des gens bizarres avec des costumes. Ça fait un peu Team Rocket. Ici, ça fait très Team Rocket. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de soigner mes loustiques? On va donner un petit baume à Chaos. Bon, faut pas faire ça pour le moment. Tac. Alors. Ouais, c'est la Team Rocket. C'est l'idée. Oh, ça change de musique, c'est cool ça, j'aime bien l'idée. Bekevoras, non, Raphaël de Plume, ça suffit généralement. Ok. Spoiler, tu vas souffrir dans cette zone, ouais, j'ai cru comprendre. Ouais. On va faire pas mal de demi-tours, j'ai l'impression. Non. Ça pue. Nickel, ça m'arrange. Un petit x2 en plus. Il est KO. Mais tout quand il s'est fait mal. Bon, ça va. Il s'est pas trop fait mal. Mais un petit peu quand même. Nature et poison sur la licorne. Ok, faut que je soigne Naya. Bah bravo Nemes. J'ai dit quand il demande des chiffres, il faut lui dire le plus petit chiffre possible. Merci Chaos, c'est un amour. Plante, tu m'as dit aussi sur la licorne. Zut, j'aurais dû l'aviser encore. Parce que là, c'est tendu un peu. Hein. Si vous voulez mon avis. Douloureux. T'aurais pu te tuer quand même. Hein. T'aurais pu faire un effort. Hein. Il lui reste 5 HP, je dis, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose quoi. Genre, tristesse, succès, espoir. C'est la fin. Vu les Pokémon qu'il en reste, c'est la fin. Fais-genre et Marianne, fais-genre. Dépassons mon boss d'amour. Je vais pas trop tarder non plus les moustiques. Après ce combat, je pense qu'on va s'arrêter. Ah. Bah, faut le finir, hein, mais. Il reste pas grand-chose quoi. Tut tut.
Ça pue. Ah, on est pas mal du tout. Par contre, il en reste plus beaucoup de... Elle va se blesser au passage. Il ne reste plus beaucoup de vie. Il s'est blessé tout seul. Nickel. C'est fini, hein? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il en reste. J'ai eu peur. Je sais pas s'il me reste une fiole ou pas. Je me demande. Oh, bah nickel. J'ai même pas besoin de retourner là-bas. Oh, un nouveau Pokémon, un nouveau Temtem, pardon. Oh non, c'est pas un nouveau. Ça, c'est désespoir. Ah, c'est un spécial Roche? Non, c'est le même, hein. On a enfui. Mamie, hein? C'est bien Chaos 1. Hein. Ta-d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 a. Ok. Oh, stylé. C'est efficace. Ah, c'est très efficace même. Naya leur fait si mal alors que mon loulou est niveau 19. C'est génial. J'adore. Ta-da-da-da-da. J'ai bien fait de suivre tes conseils. Tu arrêtes, Energumène. Non, mais oh, tu gardes tes sous. Je peux pas. 5 alors. Vous arrêtez, bande de sales gosses. Je vous vois. Nanana. Je vais vous écraser. La meuf qui va se faire laminer, tu sais. Tadadam. Non, j'ai juste dit 5. HP. C'est frustrant. Ta-ta-ta. Ok, j'arrive. Petit truc. Non, c'est pas intéressant. Pour le finir. Et toi, t'as un petit truc, un tout petit. Il a rien de tout petit. Bah, quitte à faire un truc, faisons-le jusqu'au bout, hein. Mais on dépense toute leur énergie, c'est un peu dommage. Ah là là. Méchante, mais non. Merci beaucoup. Et coucou, Patounier, comment tu vas? Tu pourras filmer la rencontre si c'est possible, je demanderai. Parce que moi, je vais tenir mignon. Je pense que ce sera mon père qui va tenir Ricky. Je demanderai à ma maman si elle veut bien filmer. Je lui demanderai. Ou je sais pas comment il va s'organiser. Alors. Ah, il va se blesser, Lolo. On fait que dalle de dégâts. Hein. Naya fait plus de dégâts que Lolo qui a genre 7 niveaux de plus. Quoi. Ok, super. Merci beaucoup pour le follow, Pinavel. Tadam. Oh non, il est furtif. Chien. Bon, il s'est fait mal. C'est déjà ça. Ah, trop cool!
T'es resté chez toi du coup pour se reposer? Ou t'es parti quelque part? Ah nickel. Un plaisir. Il est furtif, non? Du coup, il s'est fait mal tout seul, le petit loulou. Tristesse et désespoir. Après, il faudrait faire demi-tour, par contre, parce que là, on va plus avoir de vie. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts, ça. Hein. T'inquiète, je vais te gronder en MP, Chaos. On va se venger. Coco Studio, comment tu vas? Alors. Tadam! Mariage le week-end dernier et après escote avec les copains, piscine et rosée toute la journée. Ok, trop cool. Ok, ok. Ça vient, Chaos. Et voilà! Allez, on va s'arrêter là, les loulous. On en profite, on en profite. Je vais le regretter en plus. Non, ça ira vraiment. On peut en rester là, moi ça me va très bien. Hein. Allez, on s'arrête là, les aussi. Merci à tous pour ce live. Ne partez pas, cependant, nous allons faire un petit raid. Un petit raid tranquillement, mais sûrement. J'avais dit le live durait 3 ou 4 heures. Il a duré 4 heures top pile. Dans 30 secondes, 4 heures top pile. Nous allons faire un petit raid, soit Kathleen, soit Dr Snippy. Allez Kathleen. Hop là. Ah, c'est le clavier anglais. Tac, raid. Tac et tac. Ok, merci à tous pour ce live. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et je vous tiens au courant. De prochains lives sur Discord, je serai là demain après-midi. Merci pour ce live, soyez tout plein d'amour, vous êtes mignon. Des bisous. Préparez des petits messages d'amour et tout. Hein. Préparez tout ça. Envoyez-lui plein d'amour. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve dès demain midi. Midi, 13h, 14h peut-être en live. Faudra que je fasse à manger, donc peut-être un peu plus tard. Je vous fais de gros bisous.